Salut, salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe, DCE Live avec les grosses affiches. Les amis, les grosses affiches. Donc il y a 4 packs, enfin 5 du coup, avec le. Une fois que vous avez validé les 4, vous avez un pack à 50k. Là, c'est pas mal. Les 4 packs. Un pack joueur or, un pack prime joueur mélangé, un pack joueur rare mélangé et un petit pack joueur or rare. Franchement, c'est pas mal. Ils nous ont mis bien ce soir pour les packs. Les amis, les 3 premiers, ça va. Le dernier, accrochez-vous les amis. On va commencer par le premier. AEK Athènes contre l'Olympiakos. Il fallait un joueur d'Athènes ou de l'Olympiakos. Vous prenez qui vous voulez. Des deux clubs, vous le mettez là. Tout le reste, regardez, c'est du championnat espagnol. Et vous mettez les joueurs au bon poste, à part pour les défenseurs, vous mettez des MDC. Il fallait un joueur de l'AEK Athènes ou de l'Olympiakos, 3 joueurs de même club maximum, 5 joueurs de même pays minimum, un joueur rare minimum, une note générale à 75. Un collectif à 75, vous voyez les amis, même en achetant n'importe qui, au moins cher, on est quand même à 76 de notes. On n'a pas de joueur paquet, donc vous serez à 77 aussi. On commence avec Jaume, Sergio Alvarez, Fran Beltran, Lubomir Feixa, Adrian Ambarba, Nemanja Maksimović, Fedevico, Amat Ndiaye, Jason, Carlos Fernandez et on termine avec Konstantinos Fortunis. Les amis, pour ce DCE là, 5-6 000 crédits grand max, on soumet l'équipe et on passe au deuxième. Le deuxième est assez simple aussi, Başakşehir contre Galatasaray. Il fallait un joueur de Medipol ou de Galatasaray. Franchement les amis, je vous conseille série, parce que sinon si vous prenez n'importe quel milieu, en gros il va falloir faire un lien là avec il va falloir acheter un BU qui joue pas dans ce, dans tous les championnats que j'ai mis, et franchement ça va être chiant. Moi je vous conseille d'acheter série, au moins vous prenez Assalé qui est à 700 et on en parle plus, ça fait votre joueur rare. Donc deux joueurs de Super League minimum, j'en ai mis 3. Vous voyez, je mets un MDC là, comme ça au moins c'est un Allemand. Et là au moins je peux faire des liens avec tous les Allemands possibles et inimaginables. Il fallait un joueur rare, il est là. Une note générale à 77, un collectif à 80. Les amis, il m'a pas coûté très cher ce DCE là. En finale, c'est un trio de Super League turc. Avec bien sûr l'Allemand qui est très 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 important. Le gardien... Le DC, le MD, Allemand dans Allemagne 2. Le triangle là, Allemand, Allemagne 1. Le BU, bien sûr, qui fait le lien avec série. Et lui, les amis, c'est un DC. Après, il y en a plein. Il y a Oedes, si vous en avez envie, si vraiment c'est trop cher. Il y a, enfin, en gros, vous prenez un DC allemand qui ne joue pas en Allemagne 2 et qui ne joue pas en Allemagne 1. Voilà. Donc, vous prenez qui vous voulez. Du moment où c'est un DC allemand. Allez, on commence avec Ron Robert Ziller, Mark Schnatterer, Holger Badstuber, Christoph Schindler, Tolgay Arslan, Gary Rodriguez, Jonas Hoffmann, Florian Neus, Jean-Michael Seri, Niklas Füllkrug et on termine avec Roger Assale. Les amis, ce DCE là, ben, je les ai quasiment payé 600 les joueurs. Donc il y en a 11, ça fait du 6006. À tout casser, 7000 peut-être. Voilà les amis, on soumet l'équipe. Et on passe au troisième. Là ça commence à se compliquer, mais ça passe. Le quatrième, accrochez-vous, je vous l'ai dit. AC Milan, AS Roma. Donc il fallait un joueur de Milan ou de l'AS Rome. Deux joueurs de Serie A italienne, 5 clubs maximum, 2 joueurs rares minimum, une note générale à 79, un collectif à 80. Les amis, j'ai un joueur paquet, donc vous serez à 81. Championnat
tout le haut, c'est championnat de Liganos avec que des joueurs de Porto, sauf un. Bien sûr, lui, il faut qu'il soit brésilien. Ah, vous n'avez pas le choix, il faut qu'il soit brésilien. Le joueur de l'AS Rome, vous prenez lui, vous le payez peut-être un peu plus cher, vous voyez, 1005. Mais au moins, avec la note à 81, on est pas mal. Là, vous prenez n'importe quel joueur de Serie A qui est à 80 de général. Voilà, là je peux pas vous dire mieux, vous prenez qui vous voulez les amis. Du moment où il a 80, je l'ai payé 750, donc c'est pas trop mal. Et après, les trois joueurs de l'Espagnol de Barcelone. Voilà, en gros vous pouvez pas faire mieux, le gardien, le DC et le NDC. Ça coûte pas trop cher, on s'en sort pas trop mal. Et voilà, j'espère qu'entre temps, les prix n'auront pas augmenté. On commence avec Diego Lopez, Henrik Mkhitaryan, Marc Roca, Bernardo Espinosa, Joaquín Correa, Otavio, Eduardo Henrique, Mateus Uribe, Shoya Nakajima, Vincent Aboubakar. Et on termine avec Zé Louis. Les amis, comptez 7-8 000 crédits pour ce DCE là. Donc comme je vous ai dit, j'ai un joueur paquet, donc ça va passer. On soumet l'équipe et on passe au quatrième et dernier les amis. Et franchement, c'est celui qui m'a fait le plus mal à la tête. J'ai dû passer une demi-heure juste pour ce DCE là. Et là les amis, je vous dis pas, on va compter ensemble, mais ça coûte pas mal. Il fallait deux joueurs de City ou de Chelsea. Les amis, je vous conseille Chelsea. Parce que City, c'est du n'importe quoi. Trois joueurs de même championnat. Trois championnats minimum. Quatre joueurs de même championnat maximum. Deux joueurs rares minimum. Une note générale à 81. Un collectif à 85. Les amis, j'ai pas un seul joueur paquet. J'arrive à faire à avoir une note à 81 et un collectif à 86. Les amis, franchement, c'est vraiment... Juste. Voilà. Vous changez une note, vous baissez une note, c'est fini. Ça passe plus. Vous changez un joueur, ça passe plus. Franchement, le seul truc que je peux vous dire, si vous voulez pas mettre Gaiano, vous mettez Danilo de la Juve. Mais je vous dis, c'est pas le même prix. Là, bien sûr, vous ne pouvez pas toucher. Même si on change là. Ouais, je perds un, alors je comprends pas pourquoi. Parce que ça faisait un triangle brésilien. Mais bon, on va pas chercher à comprendre. C'est parti les amis, on va compter ensemble et je vous le dis, ça coûte un peu, je sors la calculette. Et c'est parti. Thomas Strakosha, Marcelo Goiano, Dante, Luis Felipe, Mason Mount. Alors je l'ai acheté en MDC les amis, mais c'était le même prix, donc vous inquiétez pas, même si vous l'achetez en MOC, c'est bon, vous pouvez prendre Barclay aussi, il a la même note, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Thiago Mendes, Hulk, ah les amis je vous dis, ça pique le cul, hein. Kovacic, Oscar Bakambu, et on termine avec Alan Carvalho. Les amis, il y en a pour 21 000 crédits pour ce DCE là. J'avais pas le choix. En gros, les prix des joueurs 84, c'est n'importe quoi. Et les prix des joueurs 83, c'est showtime. Donc en gros, eh ben, on n'a pas trop le choix. On est obligé de le faire comme ça, les amis. Je suis vraiment désolé. Voilà les amis, on soumet l'équipe et on n'ouvre pas le pack, bien sûr, on l'ouvre à 21h tous ensemble les amis. 21h, 21h15, il ne me reste plus que Firmino à faire. Je pense que il y a 3 DCE pour Firmino. Je vais essayer de le terminer avant 21h, sinon les amis, je suis désolé, je vais arriver vers 21h10, 21h15. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis!